Merci à tous. Je reviendrai tout à l'heure si vous le voulez bien. Je vais rafraîchir la bête. Et je laisse la place à François, qui va vous faire le coup de l'hommage à Jean Ferrat. Et pourtant que la montagne est belle. Et je m'assieds près de toi. La revers de manche, j'essuie la sueur à mon front. Je prends ta main dans la mienne. Et tu me dis... C'est plus fort que toi, hein? Tu pourrais dire merci. Mais je t'ai envoyé un baiser. Elle est bonne, ta vodka orange? Fini. Je t'en commande une autre. Je suis déjà saoul. C'est ton anniversaire, Marie. Vendredi soir, demain, grasse matinée. Zabou, deux vodka orange et cherche pas trop en glaçon, Zabou. Moi, j'étais en train. J'étais là quand Jean a été inhumé le 16 mars 2010. J'étais là pour l'accompagner, comme il m'a accompagné toute ma vie durant, avec des chansons encore plus immortelles que celles de Charles Aznavour. Je me lève et je balance à François. François, arrête, tu peux pas dire ça. Mais chante, mais dis pas de conneries. Jean Ferrat, Charles Aznavour, c'est des gens qui se respectaient. Respectons-nous. Chante ou tais-toi. Oh bah n'empêche qu'il y a deux types d'hommes, hein, Charles. Ceux qui étaient en train et puis les autres. Oh, chante ou je m'énerve. Ma môme, elle joue pas les starlettes. Elle met pas des lunettes de soleil. Elle pense pas pour les magazines. Elle travaille en usine. À Créteil. François propose une interprétation respectable de Jean Ferrat. Il est moins applaudi que moi. Du coup, je l'applaudis plus fort. Ben, j'ai l'esprit sportif. Et tu tires pas sur une ambulance. Et je me rends compte que j'ai jamais mis les pieds à Créteil. Ben, c'est pas vraiment mon secteur. Moi, j'arpente le Nivernais, Lyon. Je grimpe à Auxerre des fois. Sinon, plus souvent, je suis sur Beaune, vu que c'est là qu'on a la concession. En gros, une bonne partie de la Bourgogne. Ouais, ceux qui me connaissent savent que je suis technico-commercial, spécialisé dans la vente de machines agricoles, tracteurs, machines à vendanger, moissebattes, tout ça, quoi. Non, Jean Ferrat, au fond, je connais mal. Je suis un meneur d'hommes dans l'âme. Je suis moteur et dynamiteur de la motivation, de la dynamique humaine, comme dirait mon patron. Il n'y a qu'à me voir en karaoké. C'est là que je suis le plus à nu, à découvert, à fleur de peau. Je me donne entièrement. Et souvent, j'ai l'impression d'être passé à côté de celui que je suis.